Bienvenue dans PokéVS, l'émission qui compare deux ou trois Pokémon sur divers critères tels que le design, les caractéristiques ou le nombre d'apparitions dans l'animé Pokémon. Pour qu'un Pokémon gagne le combat, il faut que je le choisisse, mais également que vous le choisissiez dans le sondage ou dans les commentaires de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Vous décidez du prochain combattant qui apparaîtra dans PokéVS. Vous êtes prêts? C'est parti! Générique! Grand Pokémon aviaire avec un plumage bleu prédominant. On dit que ses larges ailes sont faites de glace. Il a sur la tête une crête composée de trois plumes en forme de losange bleu foncé et des yeux rouges. Articodin, numéro 144. Il a un corps jaune et possède deux paires d'ailes. Elector, numéro 145. C'est un grand oiseau de couleur jaune-orangé. Il possède un long bec marron et est reconnaissable grâce à ses ailes, crêtes et panaches enflammées rouges et roses. Sulfura, numéro 146. Articodin est plus joli, plus gracieux. Je lui offre donc mon premier point. Sulfura est le Pokémon du trio qui a le plus changé avec sa forme chromatique. Un point pour Sulfura. Articodin est plutôt un Pokémon défensif, Elector un Pokémon de vitesse et Sulfura un Pokémon d'attaque. Au niveau des sensibilités, Elector est le seul du trio à ne pas avoir de double faiblesse. C'est lui qui remporte le point. Je préfère les talents statique et corps ardent. Le statique d'Elector permet de paralyser son adversaire et le corps ardent de Sulfura permet de brûler son adversaire. Pour les deux Pokémon, ce talent marche quand ils se prennent une attaque directe. Le Pokémon adverse a 30% de chance d'être paralysé ou brûlé. Pokéstrat conseille Tritosaur et Mouflair pour Articodin, Tyranocif et Heatran pour Elector, Pingoléon et Crocorrible pour Sulfura. Heatran est un Pokémon légendaire et Tyranocif un majestueux et dangereux Pokémon. Le point revient donc à Elector. Ils apparaissent tous les trois dans le deuxième film Pokémon, Le pouvoir est en toi. Sulfura et Elector apparaissent 4 fois dans les animés Pokémon, contre 5 pour Articodin. Au niveau des cartes à jouer, Articodin apparaît 16 fois, Elector 17 et Sulfura a 14 cartes à son effigie. Point pour Elector. Articodin, 2 points. Sulfura, 2 points. Elector, 4 points. Elector remporte ce combat pour moi. Mais dites-moi pour vous, lequel de ces oiseaux légendaires mérite de gagner ce PokéVS. Un sondage s'affiche en haut à droite, n'hésitez pas à le remplir. Choisissez entre Tetart, Electek, Ortide ou Melancholux. Le Pokémon qui aura été le plus voté pourra apparaître dans l'un des prochains combats de PokéVS. N'hésitez pas à indiquer vos retours dans les commentaires si le format vous plaît. Si vous pensiez que c'était un autre Pokémon qui allait gagner, quel combat vous voudriez voir dans PokéVS? Et surtout, abonnez-vous! Allez, salut!